Recherchez l'origine du peuple du Fujian le long de la rivière Shaanxi. La plus grande forêt de chinkapin du monde. Air Longchuan sur la rivière Shaanxi. Contempler les reliques de Bouddha. Le fleuve Minjiang, eau de la rivière Shaanxi, origine du peuple du Fujian, épisode de la série à la découverte des cours d'eau de Chine. Après avoir quitté le district de Mingxi, notre équipe de tournage poursuit son programme sur l'affluent Shaanxi du fleuve Minjiang. Ce dernier est alimenté par trois principaux affluents, la rivière Jiangxi comme source du nord, la rivière Futun comme source du centre et la rivière Shaanxi comme source principale. Ces trois affluents convergent dans les environs de Nanping, formant à partir de là le fleuve Minjiang, avant de se jeter en mer orientale dans l'est du Fujian. La destination de notre présente étape est l'arrondissement de Sanyuan, de la ville de Sanming. Situé à Yantian, le mont Wanshou est une montagne de calcaire isolée. La rivière Huangsha coule à proximité. Selon le conservateur Zhu du musée du site archéologique du mont Wanshou, le site paléolithique découvert a été sélectionné comme la première des 10 plus grandes découvertes archéologiques de Chine en l'an 2000. 朱馆长，这个万寿岩有多高啊？它有100多米。100多米。嗯，我们现在要去的这个洞叫什么名字？叫灵峰洞。灵峰洞。对。我们在这个灵峰洞里面有哪些发现？就是发现了18万年前这批古人类用了一些石制品和同时期的一些哺乳动物化石。L'entrée de la caverne Lingfeng donne sur le sud-ouest et se situe à 37 mètres du sol.
À l'intérieur, la grotte est de 17 mètres de haut sur 20 mètres de profondeur. En 2000, des archéologues y ont excavé plus de 800 objets et un certain nombre d'objets en os et des fossiles, une trentaine d'espèces d'animaux qui remontent, pour ceux qui sont les plus éloignés, à une époque située entre 180 000 et 200 000 ans. Les vestiges ont été transférés au musée, mais le conservateur explique que même maintenant, le reste de la strate calcifiée devrait renfermer encore pas mal d'objets en pierre et de fossiles. À l'intérieur, la paroi de la caverne porte d'évidentes traces enfumées par le feu. Et le sol est empierré. Des gens y construisirent un temple sous la dynastie des Song. Ce qui est le plus extraordinaire est qu'il existe de nombreuses cavités secrètes dedans. Selon le conservateur Zhu, l'espace le plus large de cette cavité secrète est aussi vaste que la grotte Lingfeng, et l'endroit le plus étroit ne permet qu'à un homme d'avancer en rampant. Plus on descend, plus la pente est raide. Nous demandons à Monsieur Zhu de reculer. La caméra s'avance et découvre que l'endroit où Monsieur Zhu se tenait est en fait tout près d'un trou bouché par des pierres tombées de haut. À vue d'œil, le trou serait profond d'une dizaine de mètres. Il y a au fond du trou une échelle en bois abandonnée. Apparemment, des gens étaient venus explorer la cache. Faute d'équipement de sécurité professionnelle, nous sommes contraints de faire demi-tour et de suivre Monsieur Zhu pour venir à la caverne Chuanfa. Le sol caouteux à l'intérieur de la caverne Chuanfa fut réalisé par l'homme dans la haute antiquité il y a entre 30 et 40 000 années. La surface est d'environ 120 mètres carrés. Un sol caillouté d'une si grande surface dans la haute antiquité est le premier du genre découvert en Chine. Mmh.
川湾洞遗址里面呢，它一下子发现了120平方米。这个石铺地面在当时是起什么作用的？你看，我们喀什的地貌石灰岩溶洞里边，一般它都会长期滴水。对。它滴水呢，它影响这批人在这里生活居住啊，给它生活带来很大不便。嗯。你比如地上长期积水啊，坑坳不平啊，它怎么办？它都自己想办法，比如说从河滩上采集鹅卵石，今天采一块，明天采一块，他们这些人故意的。 把这个坑洼不平的地方铺平，填上啊，有水的地方铺平。你看，日积月累的形成这个地面，可以说，这个说我们现代化说，这可以说我们国内最早的室内装修。哦，这个很形象，这跟我们现在铺地板是一个道理。哎，对，一样一个道理。但是在那个时候，这就是一个很了不起的工程。 Quand la caverne Chuanfa a été excavée, les archéologues ont dû se baisser pour pénétrer jusqu'ici. À l'entrée, une coupe de sol est conservée pour montrer la datation des différentes strates. Cette caverne communique avec la caverne Lingfang sur le flanc de la montagne. Nous arrivons devant un cul-de-sac. 你看到没？你没感觉到？你没感觉到风出来？有。这都跟上面那个洞相通了。哦，这边上去的话，大概往上走多少米就能够到达凌空洞了？大概差不多要爬那个40分钟到一个小时这样。40分钟。嗯。这个的话，人还是可以进去的。里边是这么高，要爬住。现在这个地方你可以半蹲。 Avant que le site archéologique du mont Wancho ne soit découvert, l'histoire des activités humaines argumentées dans le Fujian ne remontait qu'à l'époque d'il y a 8000 à 10 000 ans. Le mont Wancho a non seulement permis de propulser cette histoire à 180 000 ans, mais en même temps, il y a eu des découvertes archéologiques dans les strates de différentes époques, s'étendant sur une centaine de milliers d'années. Cela fournit aussi des preuves pour les études paléoclimatiques. Après avoir quitté la caverne Chuanfan, le conservateur Zhu nous conduit au village de Yantian. Ce dernier est baptisé de ce nom parce qu'il se situe tout près du mont Wancho, Yantian signifiant « devant le mont ». Bonjour. 这个可以保留吗？当时我发现的时候，有跟那个保留下来的时候，有跟那文管部门有讲过。他讲作为反正你第一块发现，那这一块因为它是一分两半，一半在博物馆里。这一半就作为算我发现的奖励吧。纪念放在一个饼干盒里。怕氧化，我给它保存。怕氧化。这一块。 C'est un fossile d'os de bœuf d'il y a 50 000 à 100 000 ans. En automne 1998, Wang Benzeng et d'autres villageois sont allés s'aventurer dans des grottes du mont Wancho pour essayer de trouver de nouveaux points d'attraction pour les touristes. Et ils ont découvert ce fossile. Par hasard. 这部分它这么小，当时您是怎么发现的呀？哦，这个是这样子，我们在清理那个洞穴的时候啊，那些钙化板我们用了钢钦去撬，撬掉下来，我们觉得好像这里面这块石头有一些异样，那我们哎，拿开看一下，好像里面有骨骼，当时我们有历史上有学过一些这些化石的这些基础的知识，那么马上呢，就我们就认定可能这是化石，那就向那个。 À partir des années 70, l'aciérie locale prenait cette montagne comme source de matière première. Après que les fossiles ont été découverts au mont Wancho, l'extraction a immédiatement été stoppée. À l'issue des fouilles archéologiques pendant plus d'un an, une certaine quantité d'objets en pierre travaillés et beaucoup de fossiles d'os d'animaux ont été excavés. Le mont Wancho a constitué la première découverte majeure en archéologie préhistorique dans le Fujian. À l'époque, le département concerné a injecté plus de 20 millions de yuans en tant que fonds de sauvetage pour construire des ouvrages de protection. Ceci garantit la sécurité du site culturel antique dans son ensemble. C'est le 主展厅吗? Oui, c'est le 主展厅. 那怎么没有东西啊?
这展柜里边没有东西啊。博物馆的提升改造，全部这个闭馆了，现在东西全部收起来，收到库房了。哦，为什么要进行改造？因为我们这个准备现在建国家级考古遗址公园，因为这个陈列水平啊比较简单单一，现在进行提升改造。Avec une autorisation spéciale du musée, le conservateur Zhu a fait sortir des objets de l'entrepôt. 哪些比较有代表性的挖出来？这个考古价值比较高的。刚刚说发现了这个哺乳动物那个化石，这个这个就是叫什么呢？就是叫动斑鬣狗的牙齿化石。这是牙齿啊？对，你看当时一个狗的牙齿这么大。据专家跟我们说，这个当年这个猎狗的这个个头啊，它相当于现在的小水牛个头这么大。这个化石啊，是我们国内发现最完整的一个动斑鬣狗牙齿化石。动物化石。Jusqu'à ce jour, aucun fossile d'homme n'a été trouvé au mont Wanshou. Les fossiles excavés comprennent ceux d'une trentaine d'espèces de mammifères, comme des stégodons orientalis, des rhinocéros sinensis, des tigres, des ours bruns, des bœufs, etc. Plus de 80% de ces animaux étaient des adultes, au lieu d'individus âgés ou jeunes. Cela signifie qu'à l'époque, ces animaux étaient morts de façon non naturelle. De là, les scientifiques ont déduit que dans la haute antiquité, des hommes chassaient dans la région du mont Wanshou. Cela soutient la présence d'objets en pierre, travaillés, exhumés, formant ainsi un faisceau de preuves pour la datation. 像这个都属于刮削器，什么叫刮削器呢？都相当于现在我们用了这个刀啊，这些一些现在的金属工具啊，是这样子。它这个可以割肉啊。用哪边割肉？你说这个用刃部嘛？你看这个刃部非常锋利。这个叫手镐，这个历史呢？就是这上面直接打下了很多片，那些片作为什么？作为现在的石片使用了。石片都相当于现在的刀子，打下的那些片都作为现在的刀子使用了。剩下这个母体，你看也是一件石制品。做什么呢？手镐都相当于现在的斧头。哦。直接使用，它可以砍树木、砍骨头，你看非常好用。Ces objets en pierre travaillés apparurent il y a environ 30 000 à 40 000 ans. Le conservateur Zhu nous montre aussi des objets d'il y a environ 180 000 ans. Ils s'avèrent plus rustiques. Le mont Wanshou est le plus ancien site caverneux paléolithique à avoir été découvert en Chine orientale. Les objets en pierre excavés ici, leur processus de confection, ainsi que les types, sont identiques par rapport aux feuilles de pierre et noyaux de pierre excavés à Taïwan, apportant ainsi des témoignages matériels. 年代横跨18.5万年至3万年，他这个发现啊，对我们福建有人类活动的历史啊，往前推了一大截，可以说提前了18万年，这个意义非常巨大的，因此为我们在福建寻找更早的旧石器时代地点，带来了新的曙光。其实我们平常啊，对于考古这块其实是非常陌生的，但是呢。你可以想象，如果人没有记忆的话会怎么样？所以这些东西其实是帮人类找回他以前的一些群体记忆来讲，对对 对, 对，是很有现实意义的。对，它重要的一个物质载体，对，它说这证据。Écoutez l'air long chuan。Pénétrer dans la plus grande forêt de chinkapin du monde。这边的负氧离子应该很高吧？差不多有10万多个。Le fleuve Minjiang, eau de la rivière Shaanxi et origine du peuple du Fujian, épisode de la série à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. 旅行对于很多人来说，可能是生活中的调剂品，只是为了出去走一走，透一口气。但是对于我们来说，它就成了生活的主要部分。我和我的同事们一起在路上经历四季，见证了祖国的大好河山和风土人情。在行走中，我们也不断地反观自己的生活，会发现有很多的事情变得不那么重要了，而有些事情也倍感珍惜，比如真情，比如梦想。我想，我们可能是行走在美丽中国上的一群最幸福的年轻人，爱美丽中国，看远方的家。Après avoir quitté le mont Wanshou, nous nous rendons au bourg de Xinkrou de l'arrondissement de Sanyuan.
La rivière Huangsha se jette à la rivière Shaxi à Xinkou. Nous, le groupe, nous sommes en train de naviguer sur la Shaxi. Nous sommes ici pour admirer une très traditionnelle long chuanjiao. Mon compagnon, ce Lin, est le long chuanjiao de transmission. Lin, bonjour. Vous êtes le long chuanjiao de Nous sommes le long chuanjiao de 黑马扫起地彩人呀呵回来我瞧的老板拉走老乡嘿走得哦选老是新鲜的走啊呵回来我保山地址老板老干哦哈哈牛嘞新鲜嘞山 En l'an 12 du règne de Kangxi des Qing, un médecin nommé Deng Wenxiu de Sanyuan collecta les chansons populaires chantées sur les deux rives Shaxi depuis l'Antiquité pour les réaménager en la chanson Longchuan de Sanyuan, composée de 130 sections, chacune comportant 4 paroles à 7 caractères. Cette chanson est chantée depuis plus de 300 ans. Chaque année, au premier jour du 5e mois lunaire, les villageois se réunissent sur la Shaxi pour célébrer la mise à l'eau du bateau dragon et organiser des courses de bateau dragon 3 jours consécutifs, les 3e, 4e et 5e jours. 前面树下穿着黄色表演服的应该就是您的队友了，对吗？啊，他们现在是在做什么？现在在那边准备，准备一个下水仪式。会有什么样的一些内容呢？请神祈福这一类的。从这儿可以上吗？ Sous le figuier, ceux qui préparent la cérémonie de mise à l'eau sont tous des villageois voisins. En 2010, ils se sont spontanément rejoints pour former une équipe. Comme ils vivent au bord de l'eau, le bateau dragon pèse très lourd dans la mentalité des habitants locaux. Notre équipe de tournage n'a pu venir pendant le festival des bateaux dragons. Les villageois tiennent à célébrer la cérémonie d'invitation du dieu. Nous sommes maintenant sur le bateau de ce long船, qui est sur le Shaxi. Quand les coups de sang se sont mis, j'ai eu peur. Suivant les coups de sang, les coups de sang se sont mis. Peut-être que c'est dans les coups de sang qui sont mis. Ping Ping An, vous pouvez voir que nous sommes sur le bateau de ce long船, qui est toujours en train de se faire. Parce que ces deux hommes, leur position de long船 est très 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 À bord, à part le musicien, les rameurs et le timonier, il est aussi un autre membre en robe taoïste spécialement chargé de l'office des prières. Quand le bateau parvient au milieu du courant, il allume des pétards pour inviter la divinité à se présenter. On commence à chanter la chanson Longchuan. Les gestes des rameurs au rythme des battements de tambour sont courts et vigoureux. La chanson qui plane sur la rivière regorge d'héroïsme. Les chanteurs assis au bord sont du troisième âge. Vous êtes 那您这个现在这个年纪慢慢大上去，您划船又要唱歌又要这个动作，您不嫌累吗？这个爱好啊，这个爱好喜欢，这爱好就不怕累啊。下下象棋多好啊，这个又不累，又在家门口。
这也不危险，你在水上的话。我们还好，水上最慢都会游泳啊。从小鬼都是在水上游啊。参数没过，不可能。也是这样子，我们这个村子大部分都在水上长大的。En plus du festival Duanwu, pendant que les bateaux dragons ne sont pas à l'eau, les vieux hommes se réunissent spontanément pour chanter cette chanson. La raison en est simple, c'est un plaisir pour eux, ils adorent ce sentiment de chanter. 现在你有年轻人学这个吗？现在年轻人都不爱唱，因为为什么呢？他很多人叫来唱，他都不会讲本地话，有的人都是讲普通话的了，经常跟家里面也是讲普通话，不爱唱的。那有像这个40多的人还会唱。中间一条小。Selon ces personnes âgées, la rivière de cette section n'est pas aussi large qu'elle l'est maintenant.Avec plus de bancs de sable et un torrent impétueux. À l'époque, les bateaux dragons allaient tous contre le courant. Les rameurs devaient ramer à l'unisson d'un même geste et de façon énergique pour pouvoir avancer, d'où l'air énergique de la chanson Long Chuan. La chanson recommence une fois de plus. Quoique nous ne comprenions pas les paroles, mais la voix est très impressionnante. La châssis est la rivière de ces vieux hommes qui vivent ici depuis leur enfance. Ce que la chanson porte n'est pas simplement la mémoire du passé, mais traduit aussi leur amour pour cette terre ancestrale. La châssis traverse le centre-ville de Sanming de long en large. Grâce à cette source d'eau, la végétation est luxuriante. À Sanming, une forêt verdoyante nous émerveille. 在沙溪岸边有这样一种比较特殊的树种，叫做格式考。我们现在呢就来到了新口镇的格式考森林公园。那要了解这样一种比较特殊的，而且大家平常不太熟悉的树种，我们必须找一位比较专业的向导。小蔡你好，你好，给我们先介绍一下什么叫做格式考，这个名字是怎么来的？格式考呢，它是因为20世纪30年代初的时候，英国有位植物学家叫格瑞米的，是他来国华南地区考察的时候发现了这种树种，然后就以他的姓氏来命名，所以叫格式考。En tant que guide, Mademoiselle Tsai travaille dans le parc forestier depuis 3 ans. Selon elle, cette étendue de chêne-capins totalise environ 1000 hectares, la plus grande forêt du genre au monde. 80% des arbres de la forêt sont des chêne-capins. Après la pluie, les arbres s'avèrent plus verdoyants. La forêt est un lieu très relaxant, autant pour les yeux que pour l'esprit.哪些是格式考？像前面那都脱皮的那些树就是格式考。哦，脱皮的，哎，是这个吗？就这个是吗？这个格式考它大概多少年了？差不多100多年吧。100多年。是的。100多年，它这个生长速度和其他树种相比的话，算比较快还是慢？比较缓慢的。算比较缓慢的。对，因为它这种树的话比较坚硬，所以长得比较慢。Le chêne-capin est une espèce rare de Meca parénophyte à larges feuilles persistantes, également connue sous le nom de Castanopsis au crochet vert. En Chine, il est principalement distribué dans les provinces et régions du Fujian, de Taïwan, du Guangdong, du Guangxi et du Jiangxi. Beaucoup d'entre eux poussent sporadiquement dans des forêts d'arbres à larges feuilles en région vallonnée, entre 200 et 1000 mètres d'altitude. Il n'existe que 2 forêts comme celle-là au monde, l'une au Brésil et l'autre en Chine.你说的那个脱落的树皮就是这样的，对，它就跟穿了一件衣服一样。是的。那这些树皮的话，它脱落之后还有用吗？它是树皮的话，还可以做烤焦。烤焦，它大概多长时间，或者是大概在什么季节，树皮才会脱落？一般的话，它就是自然生长规律，然后长了以后，它会慢慢的脱落。具体季节也不一定。
L'écorce de chinquapin est de couleur gris-brun avec une teinte violette. Certaines écorces se présentent sous la forme de lanières, comme si l'arbre était vêtu d'un imperméable de paille. D'autres ressemblent aux écailles superposées. Et cela est juste un critère pour que l'on distingue des chinquapins mâles des femelles. Le bois de chinquapin est dur et résiste à la corrosion. Jadis, il fut souvent utilisé dans la construction navale et l'industrie de la défense. Bon nombre de fusils se virent confectionner leurs crosses avec cette matière. Selon des natifs, jadis, le bois de Dingtrangmu à la mairie fut aussi fabriqué avec ce bois. Dans cette forêt, la plupart des chinquapins ont plus de 100 ans. En suivant le sentier, nous gravissons la montagne pour aller découvrir le chinquapin roi, vieux de 400 ans.这棵烤树就是你说的有差不多将近400年，是吗？它是一棵树还是两棵树啊？它这是一棵树。一棵树为什么会伸出两个这样的一个树枝呢？这么粗壮。它这个烤树的话，它是一树多包的。然后它这个树的话，就一个根，然后长出多个枝干。就像是双胞胎这样的一个意思，差不多。我们下去看看，好不好？这个树有多高？差不多有35米左右。35米啊，从树根的这个地方啊。望上去的话，基本上就是望不到头，因为这个树根树枝长得相对来讲还比较直一些，将近400年了。La circonférence du chinquapin roi est d'environ 15 mètres. 6 à 7 personnes peuvent à peine en faire le tour. Ces énormes racines adventives sont un choix naturel pour s'adapter à l'environnement. Elles permettent d'étayer l'énorme tronc de l'arbre, étant donné que la saison des pluies est très longue à l'endroit où l'arbre pousse et que le sol est saturé d'eau en permanence. En raison de sa respiration, le système racinaire de l'arbre croît progressivement vers la surface du sol. Au début de l'hiver, les fruits du chinquapin tombent d'eux-mêmes quand ils sont mûrs.我发现我看到了很多，它都是已经散开的，它是往下掉的时候自己剥开吗？没有，它当时长的时候就已经裂开了。嚼你，我完全是在用那个吃板栗的方法在。因为它上面有刺儿，牙都磕掉了的，太硬了。这个白色的话应该可以吃吧？可以。这个可能是松鼠落下的，被我们捡到了。尝尝看。绵的，对，有一点点微甜，有点跟板栗的味道相似，但是没有板栗那么爽口。对，这是因为时间比较久，如果是干掉的话会更脆。Mademoiselle Tsai dit que si on veut avoir une vue panoramique de la forêt, la meilleure place est la tour d'observation. Le trajet devrait nous prendre une demi-heure. 虽然过来时间不是很久啊，但是爬上来还挺累的。不过我感觉在这样的一个绿荫小道里面走路是件享受，因为空气实在是太好了。这边的负氧离子应该很高吧？对。每立方大概有多少？你知道吗？差不多有4万多个。4万多个。前面这个就是你说的能够看到这个整个格式考的一个瞭望塔。对。走去瞭望塔看看。好。Montés en haut de la tour, nous sommes très impressionnés par cette étendue de Hilaya subtropicale sous nos yeux. C'est complètement différent de la marche dans la forêt. La verdure s'étend à perte de vue, la rivière Chassie à proximité est dissimulée dans des arbres loin. Chassie est où, tu sais? Chassie, parce que nous avons beaucoup de arbres, ils sont plus hauts, ils sont plus hauts. 不用，就是这个山头过去就是沙溪。这个山头过去就是沙溪了。现在看的话是这个郁郁葱葱的，你说一年四季都是绿的，对，开花的时候什么样子？雪白的，就有点像是雪覆盖在上面一层一样的。什么时候？差不多是3、4月份。3、4月份，春季的时候。对。La famille de Mademoiselle Tsai habite au district de Yossi, 100 km plus loin.
Il y a 3 ans, elle est venue seule pour travailler ici. Quoiqu'elle ne puisse rentrer chez elle tous les jours, l'environnement d'ici lui plaît beaucoup.走的时间比较久，但是坡度很缓，所以健身啊休闲是一个挺好的去处。关键是现在很多地方的人深受雾霾之苦，你肯定没有呼吸到过这种雾霾，对吧？对对对。所以在这里这样的一片天然的自然环境可以说是非常的珍贵，在这其中也是一种享受。我们希望这样的一片世界之最的天然格式烤能够一直保存下来。L'équipe de tournage arrive au district de Chassienne et contemple avec respect des reliques de Bouddha.那中间小小的像珍珠一样的，有的带颜色，有的不带白色的。Le fleuve Minjiang, haut de la rivière Shaanxi et origine du peuple du Fujian, épisode de la série à la découverte des cours d'eau de Chine, nos foyers lointains. 远望的家，两年多的行程，成了我认识自己的一个过程。没有想到，在寒冷的青藏高原，面对素不相识的战士们，我会伸手去摸他们洗脚水的温度。没有想到，在世界屋脊的屋脊，我成为了第一个登上阿里丁嘎哨所的女孩子。也没有想到，我能够战胜恐惧，成功地完成华山长空栈道的拍摄。迈出的每一步，对于我来说是收获，也是发现。收获的是一份经历，发现的是我看到了在这种历练背后勇气和坚持的宝贵。我是蔡丽娜。爱美丽中国，看远方的家。Après avoir quitté le centre-ville de Sanming, nous nous dirigeons vers le nord et arrivons au district de Chassienne, en aval de la rivière Shaanxi. Chassienne est réputée dans le pays pour ses spécialités gastronomiques.我们摄制组现在呢就要前往沙溪岸边的淘金山，在那儿我们能够看到供奉在舍利塔里的佛陀舍利子，据说这是在福建省唯一一处供奉舍利子的一个地方。罗老师，有个问题想问问您啊，全国大概供奉舍利子的地方有多少处？就是我们目前知道的啊，在建国前啊，就是我们这个新中国建国前，总共呢全国就是有19座塔，来供奉舍利子，解放以后呢，又不断的挖掘，又发现了几处，大概现在可能有20来处。20来处。Le professeur Luo qui nous accompagne est un natif de Chassienne. Il étudie la culture locale depuis toujours. Notre bateau arrive au pied du mont Traozin et nous nous rendons en sommet aux voitures.Le portail passé, nous voyons dans les nuages et le brouillard d'une pagode assise sur une haute terrasse. La pagode des reliques de Bouddha à 9 étages mesure 74,38 mètres de haut. Le corps proprement dit fait 49 mètres. Elle imite le style architectural en bois de la dynastie Song. Le mur extérieur est en pierre de granit sculptée de 108 effigies de personnages religieux, toutes catégories confondues. La pagode d'une forme originale s'avère imposante. L'extérieur du monastère est encore en travaux. Nous rencontrons 2 prêtres du sanctuaire. Bonjour.还是女师傅，啊，你好，法号是？这位呢是我们能人讲堂的当家师傅，空师傅。空师傅，空师傅您好，我呢是任师傅。现在的话，我们能不能进这个舍利宝塔，去看一下这个舍利子？这次是慕名而来的，可以说是，可以，谢谢，谢谢，谢谢。来，带我进去看一下。Entrée à l'intérieur, nous voyons que la pagode est une structure en bois.4 statues de Sakyamuni sont disposées au centre, au rez-de-chaussée. Plus de 3000 statuettes de Bouddha en bronze sont installées.
为什么有四面啊，孔师傅？这个是一个表法了。是当初呢设计说表法，这不是我们塔，这有四个门吗？那一楼就四个门。那就四面佛，那四方呢？开眼出来就八方了。八方就开眼出来十方了。就是四面佛在这里接引十方一切众生。那可能没什么人来过。Par l'escalier en spirale, nous montons au premier étage. C'est ici que les reliques de Bouddha sont conservées. Ces reliques ont été placées dans une autre pagode plus petite. Après s'être prosternée trois fois devant le Bouddha, la maîtresse Krung nous apprend qu'on peut voir les reliques de quatre côtés de la pagode. La relique sacrée en forme de pic de pagode où sont placées les reliques s'intègre au corps de la pagode pour former un ensemble. C'est là que les reliques sont placées. Quand on regarde depuis les différentes directions, on voit parfois deux reliques de Bouddha, l'une transparente, l'autre de couleur incarnadine, parfois trois. Les reliques de Bouddha dans la pagode étaient auparavant conservées au temple Tianhujing, du bourg de Xiamao, district de Shaxian. Comment ces reliques ont-elles pu se retrouver dans le district de Shaxian? Cela est lié à M. Liu Zhoming, serviteur du vieux maître Tsuzhou, ancien administrateur de l'association bouddhiste de Chine. En 1992年的时候，是有一位刘哲明老师呢，到天湖净寺去小住，小住呢就看到我们天湖净寺呢道风呢非常的庄严，小住了一段时间回去之后呢，就对这个天湖净寺留下了很好的印象。2003年的时候，我们天湖净寺开光，大殿开光，那刘老师呢就托一位，昌元法师，把这个刘老师供奉了68年的这个舍利，送给了我们师父，就表达了非常想在天湖净寺建塔，供奉佛陀舍利的心愿。La prêtresse Krung est son disciple. À l'époque, quand M. Liu a offert les reliques, il a expliqué en détail dans sa lettre que les reliques de Bouddha provenaient du lama Zhao, à la montagne Tse'er de Zhangjiakou dans la province du Hebei en 1935. Elles ont été conservées et honorées avec soin dans une petite pagode en cuivre dans la salle des sutras du temple. Pour promouvoir le bouddhisme, le maître Xin Liang a par la suite choisi le mont Traozin, au bord de la rivière Shaxi, et a fait construire avec l'aide des différentes parties la pagode des reliques de Bouddha pour y vénérer ces reliques de Bouddha et prier pour le bonheur du peuple et la paix dans le monde.记得去年夏天有一次采访，下山走了14个小时，因为膝盖太疼，实在是站不起来。最后的拍摄只能是坐着完成。夏天的重庆有40多度，可在溪水里泡一整天，仍然是冰冷刺骨。故事背后总有故事，有一些故事看起来很精彩，但是讲起来却是很艰辛。我在路上，我在故事里，我很幸福。爱美丽中国，看远方的家。